La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, tant qu'on dit l'Amérique a pris un dernier hommage par le président Bush père, eh bien, qui c'est 41e président des États-Unis. Fon dit cadavre déjà trouvé le Washington et il a pris une route pour y aller dans Capitol Hill là, ça nourrit le Congrès américain, côté que il pral commencer run hommage jusqu'à mercredi 5 décembre nan jou côté a chanté funérailles avant y a l'enterrer dans état Texas. Jean-Robert Philippe dit nous communauté mondiale la pas suspendre voyez sympathie by peuple américain dans occasion la mort président Bush yon nan président qui t'a marqué histoire les États-Unis. Docteur Ko nous dit là eh ben gagnon cortège qui connia là a quitté base Andrews là et y a prend direction Capitol Hill là côté pral gagner yon cérémonie spéciale. Jean-Robert Philippe pral ba nous plus détails sur tout ça qui accompagné eh ben toute activité qui pral gagner pour marquer moment ça. Jean-Robert Philippe. He's a terrific guy and he'll be missed and he led a full life and a very exemplary life too. Ancien président Bush c'était un nèg extraordinaire, nous regrette li. Pendant toute la vie li, il était servi comme un exemple. C'est à part ça, président Donald Trump rend hommage à ancien président George H.W. Bush qui mourit vendredi soir dans Texas. Peuple américain a songé défunt président comme américain qui servit pays pendant fin période de la guerre froide là, guidé États-Unis en victoire dans la guerre Irak là contre Saddam Hussein. Parmi position important président t'est occupé, gagne poste vice-président américain, directeur agence renseignement États-Unis, CIA, ambassadeur, parlementaire avec pilote la marine américaine. Citoyen américain ordinaire yo, takou Steve Bryan t'est observé un moment silence pour réfléchir sur la mort ancien leader américain. War hero, gentleman, statesman, loved by all. Et au la guerre, gentilhomme, homme d'État, tout le monde aimait. C'était un gros rassembleur. Vous souhaitez nous un grand leader comme ça pendant l'autre année. Ancien général Colin Powell, chef d'état-major interim sous président Bush, a joué un mot qui est nécessaire. L'aile a parlé de défunt. A life of honor, a life of honesty, a life of. Une vie honorable, honnête, une vie avec un peu de souci. C'était un patriote. Il était démontré ça dans tant la guerre comme dans tant la paix. James Baker, qui est ancien secrétaire d'État américain sous administration du défunt président, lui-même tout est parlé de défunt tant qu'un poteau de garçon. Défunt président réalise un pile bagaille et lui fait réalisation sa yo avec un pile connaissance. Lui connaît politique affaires étrangères. Lui mettait fin dans la guerre froide là pacifiquement. Chancelier allemand Angela Merkel déclare défunt George H.W. Bush, c'est papa ou bien yon parmi papa, unification Allemagne de l'Est avec Allemagne de l'Ouest. Non pas jamais oublier ça. Cependant, c'est pas tout le monde qui a une bonne opinion concernant le défunt président Bush. Par exemple, il y a quelques Irakiens qui étaient témoins façon États-Unis de faire l'armée pays quitter Koweït en 1991. Monsieur Abdul Rasul Mohen, un civil irakien, dit l'histoire patron Bush senior hommage pour être l'été fait la guerre contre un pays pacifique qui pas jamais attaqué États-Unis. Guerre ça, c'était une honte et l'a fait partie héritage des défunts qui étaient derrière. Cadavre ancien président Bush a exposé dans le Congrès pendant 3 jours. Côté peuple américain a vint rendre un dernier hommage. Funérailles là a chanté mercredi 5 décembre dans la cathédrale nationale Washington nan. Et puis a chanté un service funèbre pour défunt dans ville Houston dans l'État Texas avant d'enterrer le même côté avec madame Lee. Jean-Robert Philippe, Washington. Notamment ancien président Bush qui a accompagné cadavre et papal, donc nous dit que eh ben actuellement là eh ben yo nan route et nous sautons Air Force One qui c'est avion présidentiel là et yo donc nous capables et yeah, nous capable yo pral montrer nous là eh ben nous capable ouais que président Donald Trump lui-même li offri Air Force One qui c'est pour un pile moun cap observé cap analysé son gros générosité le fait que eh ben li offri Air Force One pour yo capable transporter cadavre ancien président et George H. W. Bush ça nous relé Bush père là donc nous capable ouais grand pile activité la marine de yo et Air Force One li même saute et transporter et cadavre là et puis service secret a pas accompagné
cadavre là jusqu'à ce que yo enterré nous connaît que yo gen pou al enterré dans état Texas et Jean-Robert Philippe saute ba nous plusieurs réactions qui sorti à travers le monde, notamment Angela Merkel qui lui-même est voyé hommage by ancien président Bush et père et dans moment n'a parlé là nous dans base Andrews là et cortège là déjà quitté base Andrews là il mettait tête li pour Capitol Hill là. Capitol Hill là c'est côté Congrès américain côté que yo pral gagner pour yo quitter là jusqu'à mercredi 5 décembre dans jou côté y a chanté funérali avant y a enterré dans état Texas. Nous gagne des reporters qui sous place et ben n'ap suivre et puis donc nous capable Air Force One c'est avion présidentiel là qui sont genre d'avion militaire qui était et ben fait ajustement pour être capable transporter et cadavre là. Et tant qu'on nous a dit, un pile monde cap analysé dit que c'est un geste de générosité que le président Donald Trump fait envers l'ancien président George H.W. Bush, qui est le 41e président des États-Unis. Eh bien, il est mort vendredi qui s'est passé là. Il était pris naissance en 1924 et il est mort en 2018, donc année ça, donc vendredi qui s'est passé là. Eh bien, n'a continué suivre, n'a pas le pause avant nous entrer dans l'actualité sur plan et sur plan local, sur plan Haïti. La Voix d'Amérique peut mettre depuis Washington d'ici où a suivi un programme en langue créole et haïtien. Actualité dans le pays d'Haïti, dans une conférence pour la presse jeudi lundi, la police nationale présentait un bilan opération yon mené dans Porcelaine, qui c'est une zone tout près où ce matin. D'après porte-parole en après PNH là, en parlant de Gary Desrosiers, yo saisi plusieurs armes avec l'autre matériel et puis yo arrêté plusieurs monde. Florence Lise était sous place, la présenter nous un reportage. Cartouches, manchettes, cagoules, gilet tactique, c'est pas mis ensemble matériel. La police saisie dans cas d'opération li mené bon 3h dans matin, 2 décembre 2018 là, dans zone Rissé matin, puis précisément dans zone Porcelaine d'après porte-parole en après la police là, Gary Desrosiers. Dans cas d'opération ça, la police saisit Yon Galil qui c'est bien police nationale, yon fusil AK-47, un fusil Uzi, deux pistolets du calibre 9 mm, deux bonbonnes gaz lacrymogène, trois cagoules, un gilet tactique, une quantité de poudre qui semblait à cocaïne, 53 cartouches 9 mm, 180 cartouches M14, 16 chargeurs 9 mm, 17 chargeurs 45, 18 chargeurs Uzi, 13 chargeurs M4, 20 chargeurs Galil, et 21 radio-communication, 27 manchettes. Toujours dans le cadre d'opération, 88 personnes jouent l'arrestation. La police l'a attendu personnes pour permettre de déterminer degré d'implication. Toutefois, la police a déjà identifié 3 chefs gangs parmi eux. Pour le moment, il y a 9 personnes qui ont identifié parmi les gens que nous avons arrêté. Parmi eux, il y a 3 chefs de gang. Saint-Fort Pierre, Richard, Dossou, Paulès, qui continue que les Mazora, et Sadrak, Brice, que nous jouons Galila même Namen. Et information que nous jouons, t'as semblé que Sadrak, Brice, t'a impliqué dans l'exécution que nous jouons sur le réseau Jeune Tigazon Sahara, côté que Yoti Tiril. Yon opération qui réussit grâce à concours diverses unités dans la police là, tant que UDMO, SWAT, SDPJ, Boyd, FPU, BIM, d'après Gary Desrosiers, qui annonce y a travail sous plan sécurité pour faire fin d'année. Yo. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de la Mairie. Merci Florence. On dit que porte-parole en après police nationale, la commissaire principal Gary Desrosiers, annonce yo arrêté matin là, policier Enoch Luma. Agent 1SA, responsable en mort, Fred Damny, Alexis Fédouard, et il te fait tentative assassinat sous Jean Alain.
que nous avons plus de détails sur la question ça dans l'autre édition. Toujours dans le pays d'Haïti, président Sénat Joseph Lambert a confirmé Conseil supérieur police nationale là qui gagne en tête li Premier ministre Jean-Henri Séan a répondu à l'invitation institution sénatoriale là mardi, donc demain mardi 4 décembre 2018 là, dans une séance plénière sous différents points importants, notamment phénomène insécurité qui a valé terrain dans le pays. Sénateur Lambert, dans micro collaborateur nous, correspondant nous au Nantou Saint. Plusieurs gros armes, cartouches, manchettes, cagoules, gilets tactiques, c'est parmi ensemble matériel. La police saisit dans le cadre d'opération. Voilà, on a retourné encore sous déclaration et président et Sénat. Et puis, nous prenons l'autre point. Cap dominé actualité, gouvernement taïwanais fait Haïti yon don plus passé yon milliard goud pour construire presque 29 000 km route qui concernait 6 sous 10 départements géographiques pays. Yon reportage, Massado Velme. C'est le ministre des Travaux publics, l'ingénieur Fritz Kayo, qui a annoncé nouvelle ça dans le cadre 65e édition lundi la presse, lundi 3 décembre 2018. Là. Dans 6 départements, nous avons le Grand Nord, et côté que en nord-ouest, nord et nord-est, le plateau central, nous choisit Hench. Et 6e département, c'est Maman Bemba, si ça va l'ouest là. Donc, nous étions exactement en zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les travaux, c'est des travaux que nous avons fait enrichir. Même jour, nous faisons un caravane, les travaux que nous faisons enrichir, parce que nous n'avons pas de moyens pour nous bailler le contrat. Enrichir, c'est seul moyen pour nous aller plus vite. Nous n'avons pas de contrat de main-d'œuvre à des tâcherons. Par exemple, nous avons un ingénieur et nous n'avons pas de travaux pour l'entreprise. Normalement, moi, ingénieur, je suis capable de prendre un petit contrat pour faire un kilomètre de route, pour faire un niveau, pour faire un droit, pour faire une chose. Je pense que l'appui du gouvernement taïwanais est arrivé vraiment à point nommé. Dans l'enveloppe, ça, il y a 37%, ça avec 37% a commencé. Mais le fonds d'hommes déjà commencé. Parallèlement, le ministre a présenté différents projets qui sont déjà réalisés dans le cadre du programme Caravane Changement, président Jovenel Moïse. Là. Ça a fait dans l'autre. Tout le monde qui nous compte, première, deuxième, troisième cité. Première, deuxième, troisième cité, là, c'est tout le monde qui passe devant l'église Shalom dans le 23. 10 mois, 11 mois avant, à la donne, regardez qui j'en ai, Kounia, à la garde de Bourguen. Nous avons fait environ près de 7 km de route. Caniveau, plus chaussé. Traverser tout Mazou, et je prends nous, donc on prend et route Cognon-Grandbois. Cognon-Grandbois, après, là, on sous environ 10 km de mise au gabarit de la route, élargissement de la route, à partir de la rue du Fort, rue Pionnier, rue Notre-Dame, impasse Notre-Dame, rue Jean-Paul, rue Oscar, rue Chavannes, pour regarder tout ça déjà asphalté, environ 6 km. N'a souligné, le programme ça a duré 3 mois, qui permet plus que 3000 personnes de jouer un travail. Massiado Vilme pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Massiado Vilme, nous capables ouais que nous pratiquement en direct et depuis base Andrews côté que co-président et George H.W. Bush et ben quitter qu'on a pour aller pour aller dans Congrès américain côté un paquet dignitaire qui déjà là sous place ou après grand pile sécurité et puis on regarde que drapeau qui est à demi-mât et nous gain reporter nous Jean-Pierre Leroy qui sous place et Capral Banou plus détails nous drapeau à demi-mât donc ça veut dire en français nous dit li en berne par à cause de la mort président et depuis vendredi donc c'est l'Amérique qui prend un hommage by 41e président États-Unis on a retourné dans actualité dans pays d'Haïti plusieurs activités te marquées journée internationale sida samedi 1er décembre qui s'est passé là. Thème année ça, c'est encourager tout le monde qu'on est et statut. Jodi a, d'après statistiques, il y a plus passé 35 millions de monde qui vivent avec virus qui bail maladie sida sur planète là parmi yo 1.15 millions à vivre aux États-Unis. Il y a plus passé 77 millions l'autre qui infecté. Maladie a touché 35 400 000 monde pour plus petit depuis le commencement dans année 80. Yo. Jean-Robert Philippe dit nous Haïti t'est servi avec journée ça pour sensibiliser et jeunes pour faire plus dépistage. Exalus Mergena
gen reportage depuis Gonaïve. Match Pacifique ça qui était déroulé dans une ambiance carnaval dans l'occasion journée mondiale lutte contre sida samedi 1er décembre 2018 fête selon organisateur dans objectif pour montrer au songer tout monde maladie a déjà touillé et puis sensibiliser jeunes pour continuer protéger tête contre virus qui bail maladie à Karine Duverger c'est directrice pays AHF Haïti. Li très important parce que c'est jeunes qui ont déjà bien affecté et c'est eux même qui nous pas chance là pour qu'on meilleur Haïti pour nous sauver. Parmi tous les départements dans le pays, la Tibonite, c'est côté qui gagne plus pour qui est infecté à un taux 2.2%. C'est au positif d'après Dr. Jean-Derlin Bernard, qui est coordonnateur à HF Haïti. Pour toutes les jeunes, la Tibonite, sensibiliser sur VIH, sur SIDA en particulier, qui c'est un fléau qui existe, qui l'a réellement, et que pour sensibiliser pour protéger les jeunes, et pour nous, d'ici 2030, combattre le fléau ça net dans le pays. Pour lutter contre maladie à dépistage, c'est meilleur moyen d'après responsable programme VIH-SIDA dans direction sanité la Tibonite, Miss Colette Eugène Cupidon, qui encourage tout le monde à faire test pour qu'on connaisse les statistiques. Sous positif, font façon pour ne pas prendre plus. Font façon pour ne pas prendre, pour ne pas bailler. Tant que nous te répétons là, nous ne pas prendre, nous ne pas bailler encore. Exalus Meyer Jeuna, Gonaïve, pour la Voix de l'Amérique. N'ap kite Haïti, nous pral retourner dans l'actualité à sous plan international. Une nan point actualité à retenu dans finissement sommet G20 dans Buenos Aires. Et ben c'est entente entre la Chine et les États-Unis qui voulait résoudre mes ententes pour éviter une guerre commerciale entre deux plus gros économies mondiales. Et détail. Président Donald Trump bat l'estomac li jodi lundi a concernant bon genre relation personnelle li gen ak tokay chinois li a Xi Jinping. Côté li déclaré nouveau entente commerciale li joine ak monsieur Chia pral permettre cultivateur américain vendre Pékin plus produit toujours. Marché de la bouse sur continent asiatique là, sur continent européen prend une augmentation tout de suite après monsieur Trump ak monsieur Xi en tant que leader de pigo économie sur planète là. Fin tombé d'accord samedi qui se passait là dans le pays Argentine dans le cadre sommet G20 pour pays yo yon pa imposer nouveau tarif sous table sous une période 90 jours. Pendant même sommet ça qui se déroulé dans la ville Buenos Aires là, deux leaders étaient considérés point désaccord. Pour président Xi Jinping, c'est seul une coopération en deux pays qui capable servir intérêt la paix et prospérité dans le monde. Dans le jour qui se passe là, il y a un pile kif-kif en deux pays sous question tarifs douaniers. Président Trump lui-même t'a déjà dit, en tant que avec président Xi, a débouché sur une percée extraordinaire qui a un bon bagage pour la Chine et pour les États-Unis. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, dans une interview, secrétaire d'État américain Mike Pompeo, by reporter Yesel Tobias, journaliste service espagnol La Voix de l'Amérique, là, li by détail sous politique les États-Unis vis-à-vis Amérique latine. Lionel Demarat a banou plus détails depuis Salle des Nouvelles. Secretary Pompeo, thank you very much for this opportunity. Avec première question pour chef diplomatie les États-Unis, Yesel Tobias Mandeli, qui sentiment qui traverse après elle te prend nouvelle la mort ancien président américain George H.W. Bush. Secrétaire d'État répond entre autres n'a cité, c'était un patriote au plus haut degré. Madame moi Suzanne avec moi-même nous présenter condoléances nous by toute la famille Bush. Les États-Unis pral songer gros coquin combattant ça. Un leader étonnant, un patriote américain extraordinaire. Fin citation. Sous dossier immigration, Yesel Tobias mandé M. Pompeo, dans moment plusieurs centaines de citoyens pays dans l'Amérique centrale, a essayé d'entrer sous territoire américain. Qui sont les États-Unis capables de faire pour créer plus d'opportunités dans la région? De quoi pour centraux américains n'ont pas senti besoin pour venir chercher une la vie meilleure aux États-Unis? Yeah, so that's a great question. I've had the chance, c'est une bonne question. Moi, j'ai eu une chance de rencontrer monde qui pral vin ministre des Affaires étrangères, donc collègue moi au Mexique. Moi, j'ai eu une chance de travailler avec pays qui forment triangle du Nord. Nous disposons de faire sa gouvernement qui a prêté serment jeudi au Mexique, entendre avec nous pour nous faire. De quoi pour nous gagner une ferme assurance, n'a créé opportunité dans le pays ça yo. De quoi pour peuple capable de gagner yon la vie meilleure dans propre pays yo. Après tout, c'est ça qui est objectif. Déclaration secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans une interview avec journaliste Yesel Tobias qui travaille dans le service latino-américain La Voix de l'Amérique. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Lionel Demarat, merci Essel Tobias qui t'a gagné occasion fait réaliser interview ça avec secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans marge et 20e et sommet et a qui t'a déroulé dans ville Buenos Aires dans pays Argentine et dans moment n'a parlé là et ben cortège là presque arrivé dans Capitol Hill là, ça veut dire dans le Congrès américain avec cadavre 41e président américain en parlant de George H.W. Eh ben nous connaît que eh ben l'abgepoul est dans le Congrès jusqu'à mercredi 5 décembre et joue côté au pral chanter funérailles en voyant l'enterrer dans état Texas, eh bien, sympathie continue à priver Washington, river aux États-Unis, sortir à travers le monde. Les grands leaders mondiaux après non seulement rendre hommage, mais présenter sympathie by peuple américain pour l'occasion de la mort présidentielle qui a marqué l'histoire des États-Unis et qui a gagné une longue carrière. Et puis, qu'il faut nous dire tout que drapeau en bête. Nous gagnons sous place et collègue nous Jean-Pierre Leroy capsu parce que dans nous dans zone et congrès Jean-Pierre Leroy dis-nous ça ouais dis-nous ça entendu. Eh bien n'a salué tous les spectateurs qui suivent au gamme dans le ça pour dire que dans moment n'a parlé là c'est les sirènes de la police et qui en branle c'est arrivé probablement dans les prochaines secondes cortège funéraire qui gagne la dernière les restes ou bien défunt président George H.W. Bush et au cas sous une chance garder image et on voit que deux bola ou ya c'est des attroupements qui gagnent donc c'est curieux les monde qui viennent assister à événement ça puisque nous connaît que capitale fédéral là li en deuil et la poursuivre cadavre président à George Bush. Donc, il y a déjà un dispositif qui prend pour tirer canon, le faire un coup de canon, garder l'image. Et Mérigny a déjà préparé pour faire geste ça, son geste symbolique pour rendre honneur à ça et président George Bush, lui représenter pour les États-Unis, pour congrès à côté de l'économie, côté de l'économie et assister à des séances, surtout prendre la parole dans State of Union, ça le State of Union. Et pour ça, représenter tout, et Jacques Benizer, des capitales, c'est vraiment une ambiance un peu frileuse puisque côté n'a fait frais en pile mais malgré froid un monde qui en général sous molla ça cap courir ça cap fait jogger et donc yo tout yo font petit camping pour assister à